Salut tout le monde, c'est Fitz! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la matière première qui a fait un petit peu exploser le monde brassicole au Québec. On parle aujourd'hui du houblon. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous poser une question que vous pouvez me répondre en commentaire. Je voudrais savoir votre opinion sur la bière de microbrasserie présentement, autant au Québec qu'en France. Voir les tendances, est-ce que vous pensez que les tendances sont à être modifiées? Est-ce que vous pensez que la microbrasserie est morte, que ça n'existera plus d'ici 5 ans? Il va rester les plus gros joueurs et les plus petits qui peuvent survivre. Est-ce qu'il y a encore de l'argent à faire dans la microbrasserie? Ça pourrait faire un très beau vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on parle de houblon. Je tiens à remercier toutes les Patreons qui se sont abonnés à ma chaîne et toutes les adhérés sur YouTube. Un grand merci mille fois. Si t'as aussi l'opportunité, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Le houblon, cette plante magnifique qui est dans la bière depuis quelques décennies, a été introduit pour la première fois en Allemagne au 9e siècle. Alors ça fait vraiment longtemps que le houblon existe. Ça fait vraiment longtemps qu'il est incorporé dans la bière ou incorporé dans les boissons. Il était incorporé pour ses propriétés conservatrices et antiseptiques. Alors le houblon faisait partie des plantes des médications du temps. Alors comme l'absinthe, comme la grande absinthe, on avait des plantes pour nous guérir, dont la cocaïne, hein, si on prend au coke, c'était un sirop pour guérir la toux, si je ne me trompe pas, ou le rhume. Dans ces années-là, beaucoup, de plantes étaient prescrites pour guérir. On a commencé à faire de la bière il fait plusieurs années, alors ils ont incorporé le houblon pour ses propriétés, oui, avoir l'amertume, mais aussi conservatrice de la bière, fait qu'on peut garder la bière un petit peu plus longtemps. Il faut se rappeler qu'au 9e siècle, pas au 19e, mais au 9e siècle, la bière était mise dans des tonneaux de bois. Les tonneaux de bois, sa spécialité, c'est de faire respirer les alcools ou les produits qui se retrouvent à l'intérieur. Oui, sur papier, c'est vraiment beau et vraiment cute de dire qu'on fait maturer une bière dans les tonneaux de bois. Par contre, le tonneau de bois a toutes les propriétés qu'on ne veut pas dans la bière. Alors, l'oxygénation, hein, on sait que le houblon est directement relié au goût houblonné, mais au goût oxydé. Hein, c'est le houblon qui fait oxyder la bière. On pense à New England IPA. Ça oxyde vraiment plus rapidement parce qu'on en met vraiment beaucoup en énorme quantité. On a fait une vidéo sur les tanins, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben les tanins sont reliés directement au tanin du bois aussi. Alors dans la bière, il y avait du tanin de bois. Et c'est des mauvais goûts, c'est des faux goûts pour une bière de grande qualité. Et là, on parle même pas des infections qui peuvent se causer à cause du bois et tout le tralala alentour. Si vous aimez les bières barriquées, tant mieux. Mais il faut savoir que c'est peut-être plus un côté de défaut. Pour moi, une bière n'a pas d'affaire à aller dans un tonneau de bois. Si ça aurait été le cas, on en ferait comme le rhum, le whisky, et on continuerait à en faire tout le temps dans des tonneaux de bois. Maintenant, on prend des tonneaux de stainless pour garder la bière la plus bonne, la plus fraîche, la plus longtemps. Le bois peut-être à déconseiller, mais ça, c'est un avis personnel. Surtout si vous faites des New England IPA ou des IPA, là, oubliez le bois, là, ça va oxyder automatiquement. Puis c'est pas qu'est-ce qu'on fait. Au 13e siècle, c'est là qu'on a commencé à voir l'expansion du houblon à travers l'Europe au complet. Dans cette section-là que l'Angleterre a commencé à incorporer du houblon dans ses bières. Et c'était la première fois qu'on le cultivait pour ses propriétés, pour le mettre dans la bière. Alors ça a été au 13e siècle qu'on a commencé à vraiment cultiver le houblon et qui va se répandre à travers l'Europe au complet. Au 14e siècle, c'est là qu'on va partout dans les plus grosses régions qui fabriquent de la bière vont commencer à l'utiliser systématiquement. On va parler de l'Allemagne évidemment, la Belgique et la République tchèque. Tous ces endroits-là ont commencé réellement à systématiquement en employer. Si on recule, avant, on mettait des herbes pour la conserver comme des gruites. Il n'y avait pas de houblon dans la bière. Mais ils ont commencé vraiment à l'utiliser là quotidiennement au 14e siècle, mais il y a même des traces qui remontent jusqu'au 9e siècle en Allemagne. Y a-t-il des peuples qui l'utilisaient avant? Peut-être! Ça se pourrait que certains peuples utilisaient le houblon avant, mais les traces les plus récentes qu'on a réussi à trouver, c'était au 9e siècle en Allemagne. C'est au 18e siècle que les Britanniques ont commencé à inventer des bières un petit peu plus houblonnées, à rajouter du houblon un petit peu plus à grande quantité pour lui donner une plus grande amertume comme les IPA. 19e siècle? Hein, tout le monde connaît les États-Unis d'Amérique. Ça a commencé à se développer beaucoup, beaucoup la culture de houblon à partir du 19e siècle
aux États-Unis. C'était surtout concentré dans l'État de Washington. Et c'est comme tout qu'est-ce que les États-Unis touchent, c'est rendu le plus gros producteur au monde de houblon. Et ça l'a été depuis le 18e siècle. Depuis le 19e siècle. On va pas se tromper de siècle. Hein? Au 20e siècle, c'est là qu'il y a eu des percées majeures pour le houblon. On a commencé à investir de plus en plus de l'argent. On peut penser juste à Yakima Chief qui sort des nouvelles variétés assez régulièrement de houblon. On va voir les nouvelles tendances de New England IPA sortir, des Black IPA qui a été inventé au 20e siècle aussi. On va plein de nouvelles variétés, de nouveaux blends et de vieux houblons nobles. On va y revenir qui fait leur apparition. Les principaux producteurs de houblon au monde. D'après vous, quelle est la plus grosse production au monde? Je l'ai dit tantôt. Les États-Unis d'Amérique avec un beau 37,5%. Alors, aux US, c'est vraiment là qu'on a expulsé, qu'on a agrandi les cultures pour le houblon. Ça fait, nous, c'est nos voisins directs. Fait que c'est vraiment cool. C'est là que les variétés de Citra, Amarillo, Simcoe, Mosaic, Equinox, ça vient tout des États-Unis. Ils ont créé des houblons de plus en plus goûteux, qui va goûter de plus en plus les fruits. Les fruits rouges ou les fruits tropicaux, qu'est-ce que les amateurs de bière présentement adorent, un peu reliant avec le cocktail présentement que je vous parlais juste avant. Après ça, on a l'Allemagne avec un beau 27,5%. Et oui, les Allemands, c'est probablement des buveurs de bière les plus aguerris au monde. Par contre, eux, ils vont se concentrer plus dans des houblons un petit peu plus, frités, mais plus traditionnels. On va penser qu'ils vont brasser du Mittelfruit, du Alerto Blanc. Ils vont faire ces variétés-là comme le Tegnang. C'est plus dans ces variétés-là qu'ils vont se concentrer, le Jumelon, au lieu d'aller chercher des houblons plus comme Citra, Amarillo, Simcoe. C'est pas qu'ils sont pas capables. C'est probablement que, oui, il y a des brands, ça veut dire qu'il y a des brevets dessus certains houblons qui peuvent pas faire pousser dans tous les houblonneurs au monde. Mais c'est aussi la culture de cet endroit-là. Ici, on est beaucoup influencé par nos amis américains, le Vermont. Tandis qu'en Europe, ben, l'Allemagne et la Belgique font partie des plus grands... On peut dire la République tchèque aussi, font partie des plus grands buveurs de bière. Et leurs bières sont plus de style... avoir des houblons un petit peu plus normal, moins tropicaux. On peut se faire la place au grain dans ces cas-ci, dans ces bières-là. Et oui, en troisième position, on a notre République tchèque avec un beau 8,8%. Encore là, c'est des houblons un petit peu plus nobles qu'ils vont faire. Du Sahar, ça va venir de Tchèque. Ils vont faire d'autres sortes de houblons, mais le Sahar, c'est celui qu'on va retrouver le plus et le plus commun dans la variété de houblons qu'ils vont faire pousser en République tchèque. Qui dit États-Unis dit le plus grand compétiteur, hein? En quatrième position, on a la Chine avec un 6,5%. Et là, ça commence à diminuer vraiment beaucoup. La Chine commence à produire de plus en plus de bière. Ils ont une grande population. Alors, c'est sûr que pour eux, créer des houblons sur place, ça coûte moins cher que les importer. Et pour créer de la bière, ils font des très bonnes bières maintenant en Chine ou en Asie. Alors, c'est une bonne place pour se procurer du houblon. J'ai aucune idée quelle sorte de houblon qu'ils font pousser, par exemple, en Chine. J'en ai jamais vu. Après ça, on va y aller vite. La Slovénie avec 4,2%. La Pologne avec un beau 3,9%. Royaume-Uni, 3,3% seulement. Alors, malgré qu'ils ont été les pionniers, ceux qui ont commencé à faire pousser du houblon, on peut penser que les Royaumes-Unis boivent énormément de bière torréfiée. Mais ça va être du Fogol, ça va être des variétés un petit peu plus anglais, qui sont plus terreux, plus le côté ancien. Fait qu'on a moins de demandes présentement. Fait qu'on a un gros 3,3%. L'Australie, on a des houblons vraiment, vraiment cool. Un petit peu dispendieux parce que c'est l'autre côté qu'il faut le faire venir. Par contre, c'est des beaux houblons qui ont une belle variété. C'est seulement 1%, par contre, 1% de la variété mondiale. Pas beaucoup, ça, 1%. Pourtant, on s'en arrache. On a évidemment le Canada, le plus beau pays du monde. Notre belle région du Canada, qu'on est vraiment des grands territoires pour faire pousser beaucoup d'houblons. On a 1% encore là. On va faire pousser beaucoup pour nos brasseries industrielles qu'on a. Mais on a au Québec, justement au Québec, on a quelques houblonnières qui vont fournir quelques microbrasseries. Il faut savoir que notre terroir
n'est pas le même qu'aux États-Unis. Alors, nos houblons, même si c'est le même nom, le Cascade, ne va pas goûter nécessairement la même chose au Canada qu'aux États-Unis. La plante se nourrit des minéraux qu'elle se retrouve dans la terre, le taux d'ensoleillement et le blablabla de tout ce qu'une plante va se nourrir. Nécessairement, que le Cascade qui pousse au champ dans l'État de Washington n'est pas le même qui pousse ici à Warwick. T'sais. Fait qu'on va voir vraiment une différence en goût, en saveur, en arôme, en acide alpha. Par contre, ça reste quand même la même variété de Cascade qu'on va y avoir retrouvée. On commence à créer de plus en plus de variétés au Canada, ou du moins on essaie de faire de plus en plus de variétés au Canada. Malheureusement, on est pris un petit peu avec un système qui n'est pas bon pour nous, qui veut dire que tout le monde va travailler un peu de son côté. On va s'entraider, mais sans trop s'entraider. Et on a des très grands territoires, mais avec très peu de population, qui font en sorte d'écouler son houblon. C'est un peu compliqué. Puis pour créer des nouvelles variétés, ça prend des études, ça prend du monde qui travaille sur les projets, qui prend des sous, qui prend de l'argent. Et de plus en plus, on voit des houblonnières arrêter tout simplement de faire du houblon ou réduire et créer d'autres activités parallèles pour y arriver. C'est malheureux parce qu'on pourrait avoir des très belles variétés et on a un très beau terroir pour faire pousser notre houblon. Ça n'arrêtera jamais complètement, mais si vous pensez qu'un producteur de houblon millionnaire, c'est souvent une passion pour la bière et au lieu de partir de microbrasserie, eux ont décidé d'ouvrir des houblonnières, des malteries, des choses comme ça. Et mes amis français, hein, on peut penser à le houblon Barbe Rouge. On va avoir un gros 0.8%. Les Français sont plus forts sur le vin. On va avoir plus de vignes en France que de plants d'houblon. Mais quand même, pas très loin du Canada, le plus beau pays au monde. On est quand même pas très loin avec 0.2% de plus. Qu'est-ce qui fait que on voit qu'en France, de plus en plus de personnes veulent faire de la bière. De plus en plus de brasseurs amateurs. Et je vous remercie du fond du cœur de m'écouter si vous êtes en France. Merci, merci, merci. On va penser, on va séparer le houblon par grandes catégories. Hein? Quand on achète du houblon, quand on fait cultiver du houblon, quand on fait de la bière en général, quand on veut connaître notre matière première, l'important c'est de séparer par catégorie pour savoir qu'est-ce qu'on achète. La première catégorie qu'on va y penser, c'est l'amérisant. C'est vraiment 80% des bières, si c'est pas plus, ont un amérisant. Le côté plus amer, hein, amérisant, côté amer, c'est quand même pas pire. Côté de la langue, élevé en acide alpha, on va choisir notre houblon le plus élevé possible en acide alpha pour aller rechercher ces côtés-là. Et ça va être le responsable de l'amertume. Ça sert pratiquement à rien, parce qu'avec les années, avec les études qu'on a sur le houblon, on s'est rendu compte que plus que notre houblon reste longtemps dans le boil, plus que les huiles essentielles vont s'évaporer et les goûts vont disparaître. On va revenir sur cette partie-là un petit peu plus tard dans la vidéo, mais il faut comprendre que les houblons qui sont du côté amérisant vont nous donner des touches des fois un petit peu plus boisées, un petit peu plus épicées, un petit peu plus... Par contre, même si tu ferais une IPA ou une Kolsch, ça change pas grand-chose parce que les huiles de ces goûts-là vont être pratiquement toutes évaporées après une demi-heure à 60 minutes. L'autre catégorie qu'on va y retrouver, c'est évidemment les aromatiques. On peut penser à notre houblon citra, amarillo, Simcoe. Et là, on va avoir des teneurs en acide alpha un petit peu plus faibles, quoique, avec les nouveaux houblons, comme le citra, on pourrait pratiquement le mettre aussi en amérisant qu'aromatique. Par contre, les aromatiques francs, nets, sont un petit peu plus dispendieux. Souvent, quand on va parler d'aromatique, on va parler du Saaz, on va parler du Tegnac, qui ont des acides alpha environ de 3.8, 2.2, 4.5, contrairement à un Newport ou à Horizon, qui est à 17, 18, 19. Alors, si vous faites des bières traditionnelles, qu'on va parler comme des Pilsner, on va faire des Kolsch, on va faire des Blondel, on va faire des Stout, American Stout, on va aller chercher des houblons aromatiques un petit peu plus faibles pour, en acide alpha pour augmenter, pour avoir les goûts de fruits, de petits fruits blancs, de petits fruits rouges, pour les petits côtés vin comme le Nelson Sauvin va sortir côté vin blanc. On va aller chercher ces acides alpha-là un petit peu plus bas. Maintenant, au brassard, on a même du citra noble qu'on va appeler, qui va être réduit en acide alpha, qui va être à 3, 4, 5. Et c'est pour faire ces bières de
ces bières-là qu'on peut aller chercher le côté citra, mais moins punché, plus goûteux. Évidemment, tu as un huile essentielle plus élevée, fait le, pas la même variété de houblon, et va conférer des saveurs et des odeurs uniques au houblon, l'arémérisant. C'est ceux-là qu'on va souvent sentir, on va faire « ça sent tellement bon! » Et oui, le houblon, ça sent vraiment bon. On a nos deux usages! Ça veut dire que le houblon, il y a beaucoup d'huile, fait qu'on pille un gros, gros acide alpha. Citra est un bel exemple. On pourrait l'utiliser soit en amérisant ou en aromatique. C'est des houblons qu'on va utiliser vraiment pour les deux côtés. Par contre, le Cascade, Centennial, Chinook, c'est souvent des houblons qu'on peut utiliser de deux côtés différents et qui est très bien aussi. Tout dépendant de la variété et la sorte d'houblon qu'on va, on va vouloir avoir. Ça sert pratiquement à rien, comme je vous disais tantôt, d'utiliser un 16 à 2,2% pour donner l'amertume. Vous allez en mettre beaucoup trop. Et les houblons nobles, comme que je vous disais tantôt, on a parlé au début de la vidéo, on aura parlé du citron noble. C'est des houblons traditionnels européens. Fait qu'on va les utiliser pour faire évidemment des bières traditionnelles. On va penser au Saz, on va penser au Tegnac, on va penser au Fogel. C'est des houblons qu'on appelle nobles, les plus vieilles variétés de houblons, les houblons les plus vieux qui existent. Souvent, ça va être pour les arômes et les saveurs, les flaveurs qu'on va avoir avec ces houblons-là. Et c'est vraiment important de respecter les styles. C'est beau inventer, mais respect, le respect. Hein? Tes parents t'ont appris à respecter ton prochain, à respecter les autorités, à respecter la loi, à respecter ton employeur, à respecter ta femme, à respecter ton mari, ta blonde, ton chum aussi, votre amoureux. Fait que le respect des normes, des fois, c'est important aussi dans la culture de la bière. Et c'est beau d'innover, c'est le fun d'innover, mais c'est aussi réconfortant d'avoir une bière qu'on peut apprécier, qu'on est habitué de boire. Je vous parle d'un houblon un petit peu plus technique, qui est le CTZ. Hein, le CTZ, le CTZ. C'est quoi le CTZ? C'est trois variétés de houblons qui ont été mis en commun pour faire une sorte de variété. Et pour quelle raison ça a été mis en commun? C'est tout simplement parce que c'est des... Souvent, ça a été... un mix de ou une partie du houblon qui a fait une autre partie du houblon qui a fait l'autre partie du houblon. On parle du Columbus, C pour Columbus, T pour Tomahawk et Z pour Zeus. Fait qu'amérisant du houblon. Fait que si vous cherchez du Columbus ou du Tomahawk ou du Zeus, vous voyez dans une recette, vous pouvez le remplacer par le CTZ qui est souvent soit un mix de tous ces houblons-là ou un des houblons tout simplement qui est prédominant dans le houblon ou un blend de houblon. Comme on disait, c'est très très similaire comme goût. On va être plus du côté épicé, terreux puis résineux. Fait qu'un bon amérisant comme qu'on disait au début. Et c'est parce que ces trois variétés-là, ils ont souvent tendance à être affectées par la maladie. Fait que les bébites vont plus être affectées avec eux, ils vont plus être attirés vers eux. Fait que c'est pour cette raison-là qu'ils ont blendé les trois pour faire le CTZ, Columbus, Tomahawk, Zeus, pour permettre d'avoir une variété un petit peu plus résistante et perdre moins dans les champs. En finissant, on va parler un petit peu des temps et quand on va mettre les houblons et pourquoi qu'on va le mettre dans lequel temps. C'est encore une fois important de comprendre quel houblon on va mettre dans quel moment. Fait qu'on a parlé des amérisants, des duals, des... Mais ça donne quoi ça en réalité? Quand on va parler d'un houblon qui va être plus haut en teneur en acide alpha, qu'on va parler d'un houblon amérisant, ils vont avoir quand même des saveurs et des odeurs reliées à ces houblons-là. C'est pas juste dire amérisant puis on dit pas que c'est quoi. Fait qu'il faut quand même les connaître, il faut quand même aller lire. Yakima Chief est une très bonne référence dans le milieu pour aller lire sur le houblon. Il y a aussi le site du Brasseur. Je ne sais pas si vous connaissez le Brasseur. Le site du Brasseur qui est aussi très bien. Vous pouvez avoir les références directement à des sites des houblons. Alors, la 60 minutes va donner l'amertume, le côté de la langue. Comme dans, comme on disait tantôt, 80% des bières, même 98% des bières, ont un amer, un amérisant, un 60 minutes. Pratiquement, les seules recettes que j'ai vues qui n'en mettaient pas, c'était plus les New England IPA, les nouveaux styles. Sinon, pratiquement dans toutes les autres bières, on va mettre un amérisant, le 60 minutes, le côté de la langue. C'est-tu obligatoire? C'est traditionnel, on va le dire. Parce que les New England IPA ont quand même un côté amer, mais on met beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de houblon. Qu'est-ce qui va venir compenser? On a le 30 minutes qui va donner une amertume et des arômes. Par contre, les dernières études ont quand même prouvé que après 30 minutes, c'est comme limite pour avoir des huiles essentielles.
sont quand même de plus en plus brûlés, de plus en plus affectés. Je vous dirais que le 30 minutes, pour moi, dans mon cas, dans qu'est-ce que j'ai goûté, reste un amérisant. 15 minutes! On va commencer à rentrer dans les odeurs, les arômes frais du houblon. Fait que 15 minutes avant la fin de l'ébullition, on va rajouter des houblons et ça va donner des arômes. À 5 minutes, on va avoir les arômes, on va avoir les odeurs, la flaveur des houblons. On va commencer à prendre des houblons un peu plus qui va donner comme le noble à 15, 10, 5 minutes. On peut aller aussi avec des houblons qui sont très tropicaux. On va commencer à ressentir ces notes-là. 0 minutes. Flame out, ça veut dire qu'on ferme le feu, on met nos houblons. Ça va donner les odeurs, des goûts et des huiles essentielles. On finit le cycle des houblons, puis on revient sur les temps avec des explications plus précises. On a le upstand. Le upstand, c'est quand même assez le fun comme place. Beaucoup de monde va l'appeler le whirlpool. Ça veut dire qu'on va descendre la température à 80 degrés Celsius. On va rajouter nos houblons. Et on va laisser pendant 20 minutes. Fait qu'un 15 à 20 minutes qui va extraire toutes les huiles des houblons. Ils ont trouvé, avec les années, quand je dis « ils », c'est les scientifiques, qu'à 80 degrés Celsius, c'est là que les huiles restent le plus en suspension. C'est plus rapide pour les sortir et ça les brûle pas. En haut de 80 degrés Celsius, on va commencer à détruire les huiles qu'on veut. Vous comprenez? Je vous l'explique vraiment rapidement. Quand une recette dit 0 minute, on est à 100 degrés Celsius, on met du houblon. Si on est capable de refroidir notre moût de bière instantanément, je vous donne un exemple, vous mettez ça avec un counterflow et on est l'hiver, il fait moins 25 dehors, l'eau est quasiment à 0,2 degrés Celsius, ça va refroidir tellement rapidement que votre houblon va arrêter ou les huiles vont arrêter de s'évaporer assez rapidement. De 0 à 80, on va s'en rendre compte super rapidement. On va faire la même bière en plein été à 35-36 degrés Celsius. Notre eau va être environ à 20-22-25 degrés Celsius. Alors, le temps que notre houblon va passer de 100 à 80 va être beaucoup plus long. On peut parler du double, du triple, du quadruple du temps. Alors, c'est sûr que les huiles essentielles vont s'avoir évaporer. Puis là, c'est la même chose pour notre 5, 10, 15 minutes. Là. On jase de temps en bas de 80 degrés Celsius avec les nouvelles études qu'ils ont trouvées. Si vous êtes une microbrasserie ou vous prenez une recette d'une microbrasserie, puis ils vous disent on fait un flame out, normalement, ils ont des refroidisseurs à plaques. Ces refroidisseurs à plaques-là, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va passer le mou d'un côté, l'eau de l'autre côté, puis c'est des gros refroidisseurs à plaques en microbrasserie parce qu'ils ont des grosses unités. Qui veut dire que quand on va ressortir de notre refroidisseur à plaques, pratiquement instantanément, on est à la bonne température et on peut l'emmener directement dans notre fermenteur. Eux, que ce soit l'été ou l'hiver, vont avoir la même technique. Par contre, si on fait un BBL qui est 140 litres ou 122 litres. On fait 3,5 BBL, on fait 10 BBL, on fait 20 BBL, on fait 100 BBL. Le 100 BBL, oui, le refroidisseur à plaque est quand même plus gros. Oui, ça va y aller one shot. Mais c'est beaucoup plus long de refroidir ou de faire passer 100 BBL ou 15 BBL dans un refroidisseur et l'emmener dans le fermenteur. Contrairement à un 3 ou un 5 ou un 6. Alors, c'est important de savoir qu'on va avoir la recette, quelle technique ils vont utiliser, combien de temps le houblon va rester en général dans leur cuve à la température. Et d'ajuster nos températures ou nos temps d'addition par rapport à l'eau qu'on a pour refroidir. Si vous avez un puits, vous êtes chanceux, vous avez tout le temps le même temps, été comme hiver. Si vous utilisez de l'eau de la ville, et c'est pas un puits, c'est comme nous dans le fleuve Saint-Laurent, ben vous êtes un petit peu pris avec cette eau-là. Il y a des moyens, si ça vous intéresse, on pourra en parler dans l'autre vidéo, comment utiliser votre refroidisseur le plus efficacement, le plus rapidement été, pour refroidir le plus rapidement possible. Et c'est très important de refroidir non seulement pour le houblon le plus rapidement possible, mais aussi pour les composés comme le DMS qui peut se recréer si jamais c'est trop long.
On a deux sortes de dry hopping aussi, des mises à froid qu'on peut faire dans notre houblon. On peut faire le premier qui va être dry up à froid à Eichrassen qu'on appelle, c'est-à-dire fermentation active. Ça va faire de la biotransformation qui va ressortir de certaines huiles. On peut le faire à deuxième fermentation, température aussi plus chaude, qui va sortir, qui va donner des arômes et des goûts différents. Et on peut le faire complètement à froid, à 4-5 degrés, qui va sortir d'autres goûts, d'autres saveurs. Encore une fois, si vous faites une fermentation à froid, si vous faites une mise à froid, ça veut dire que vous avez des glycol packs, un frigidaire, un frigo, ou peu importe votre système, mais vous pouvez aller à 5 degrés et mettre votre houblon à froid, mais vous embouteillez. Il faut comprendre que le houblon va aller couper une partie de votre sucre que votre mâche n'est pas capable de faire. Systématiquement, si vous mettez une grosse quantité de houblon, vous allez augmenter votre pourcentage d'alcool. Si vous faites une refermentation en bouteille, il faut prendre en considération ce sucre qui n'était pas disponible dans votre calcul pour le calculer séparément. Est-ce que Beersmith, Grandfather, Brewfather et etc. le calcule? Il faudrait leur envoyer une demande pour savoir s'ils calculent le sucre qu'on fait un dropping de plus qui a été ajouté. Je ne crois pas que ces compagnies-là, présentement, aient les moyens de le calculer ou qu'ils ont fait tous les calculs et ils ont refait leur système. Mais ce serait à voir avec eux. Encore une fois, je tiens à remercier tous les Patreons qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est grâce à vous si j'ai le goût de faire des études. Hein? On va aller prendre du temps pour faire des vidéos. Ça me prend relativement, pour le petit vidéo que vous venez d'écouter, ça me prend environ, je vous dirais, un 3 à 10 heures de filmer, monter, faire les recherches pour la vidéo. Si on met tout au complet, ça va bon 10 à 12 heures avec les recherches qu'on a faites. Oui, je connais beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut quand même que des fois, on se remémore certaines choses. Alors, ça fait beaucoup de recherches sur plusieurs sites pour pouvoir vraiment avoir les bonnes informations à vous transmettre. Alors, si vous avez l'opportunité de me donner un petit 2, 5, 6 $, c'est tout le temps apprécié, ça m'aide. Pendant ce temps-là, pendant que je fais vos recherches, je fais vos montages, puis je vous l'explique gratuitement, ben je travaille pas sur mes autres compagnies, fait qu'il n'y a pas d'argent vraiment qui rentre de la porte d'à côté. Si t'es pas abonné, hein, il y a plus que 60% qui m'écoutent qui sont non abonnés, ben abonnez-vous, hein, ça fait monter dans l'algorithme, c'est super facile, ça vous coûte rien. Tu veux pas payer 2$ parce que tu dis, moi j'en ai rien à foutre de te payer 2$, je pensais pas à payer 2$ à tout le monde que j'écoute sur YouTube. Je te comprends. Fais juste t'abonner, ça m'aide à monter dans l'algorithme, puis peut-être parce que toi tu t'es abonné, il y a 3 de tes amis qui vont me donner un petit 2$. Alors, merci pour l'encouragement, commentez, faites des likes, hein, ça l'aide pour l'algorithme, c'est super apprécié, c'est vraiment, vraiment sympathique. Surtout si t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, puis je t'écœure un petit peu pour un like et un commentaire, bah, fallait donc, ça te coûte rien. Fais juste dire « good job, Fitz » ou « Fitz, c'était pas vrai que je t'ai dit » ou « Fitz, je t'adore » ou « Fitz, je t'haïs ». C'est pas grave, qu'est-ce que tu marques? L'algorithme va monter quand même. Faites un petit pouce par en haut, ça va faire vraiment plaisir. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir, hein? Partagez en grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner, hein? C'est vraiment, 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 vraiment gossant de vous demander à toutes les fois la petite cloche pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis.